Bonjour à vous tous qui nous rejoignez pour ce temps de célébration et d'adoration. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir, ensemble, passer un moment pour Dieu et avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, Jésus dit à ses disciples, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Quelle promesse ! Et ce n'est pas la seule, juste au verset d'avant, en Matthieu 18, verset 19, il leur avait dit, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Les disciples, qui vivaient quotidiennement avec Jésus, ont eu du mal à y croire. Nous, qui ne voyons ni n'entendons Jésus humainement, ça peut être aussi difficile d'y croire. Et pourtant, aujourd'hui, comme hier ou comme demain, Dieu est là, accessible, proche de nous, en nous, prêt à entrer en relation avec nous. Je vous encourage donc à chanter avec nous, à passer ce temps avec Dieu, oser parler à Jésus, aller à sa découverte, faire un pas de plus avec lui, lui ouvrir plus grand votre cœur. Dieu est là, il entend nos chants, nos prières, et si vous n'osez ni chanter, ni prier, sachez que ce que Dieu entend et aime, ce sont les cœurs sincères. On va chanter « Vers toi monte notre hommage ». Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon, c'est en toi. Sois ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu m'enseignes. Ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Dieu est tout.
On l'a chanté dans ce cantique. Il est le refuge pour celui qui en a besoin. Il est l'espérance. Il est le sauveur. Il est la délivrance, la paix. Et Dieu peut tout. Chantons ensemble « Merveilleux nom ». Grâce à ce chant, nous pouvons exprimer tout ce que Jésus est pour nous ou tout ce que nous aimerions que Jésus soit pour nous. Et il nous entend. Couronné rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi. Thank you.
commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin. Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu nous aimes tous. Il n'y a pas de limite à ton amour et à ton accueil. Tu as dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu dis cela à Nicodème, tu savais que tu devais mourir pour que nous soyons sauvés, et tu l'avais déjà accepté. Comme Paul, il y a environ 2000 ans, je peux affirmer aujourd'hui, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits comme toi. Oui, nous sommes limités, nous sommes pécheurs, mais tu ne nous rejettes pas. Bien au contraire, tu nous appelles tous à venir à toi, à te reconnaître comme celui seul qui peut changer nos vies. Continuons ensemble à déposer au Seigneur ce qui nous pèse, continuons ensemble à le louer et à faire monter nos louanges. Sans parler de lui, étant méprisé aussi, on a voulu l'effacer en lui perçant les deux pieds, provoquer l'humiliation. En le clouant sans raison, on a craché sur celui dans le visage aujourd'hui m'ébloui. Yeah.
La croix, le sacrifice de Jésus au cœur de la foi chrétienne. C'est étonnant, chanter merci pour la croix, pour un sacrifice, un acte humainement violent. Mais comment en est-on arrivé là ? Eh bien, tout simplement, si j'ose dire, parce qu'on est précieux pour Dieu, et tellement précieux qu'il a fallu qu'il trouve une solution pour nous rappeler qu'on n'allait pas dans la bonne direction. La seule solution, c'était de venir lui-même sur terre, de vivre notre condition, de partager notre quotidien et de dire « Regardez, il y a une autre réalité que celle purement matérielle. Dieu, lui, veut nous faire découvrir cette autre réalité, cette réalité où lui est là, avec nous. » Alors oui, venir sur terre pour Jésus, subir le calvaire, être crucifié, c'était difficile, c'était pas simple. C'était même de la folie, et c'est toujours de la folie pour la logique et l'intelligence humaine. Mais c'était un acte indispensable pour interpeller nos cœurs, pour nous ouvrir les yeux. Nous ne pouvons rien pour changer notre quotidien, on essaye. On a de la bonne volonté, mais ce n'est pas suffisant. Mais lui, il peut. Et il le fait. Pour cela, il faut trouver auprès de lui le salut, parce que nous, on ne peut rien. Et le salut, c'est tout accepter par sa grâce. Lui seul peut tout transformer. Alors oui, merci Seigneur pour la croix. Après la croix, tu es ressuscité et tu es vivant aujourd'hui. Et cette grâce, elle est toujours disponible pour chacun de nous. Chantons ensemble « Ta grâce seule ». De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Ta grâce ne faillit
grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce Aujourd'hui, ne résistons pas à cette grâce qui nous a appelés et qui nous a déjà pardonnés. Entendons l'appel de Dieu à être notre sauveur. Entendons son appel à avoir avec lui une relation de proximité, une relation étroite, vivante. Oui, écoutons-le et répondons à cet appel. Croire en Jésus, c'est du domaine de la foi. Mais cela n'empêche pas la Bible de nous encourager à réfléchir et à discerner pour avancer, faire nos choix. Le Seigneur, il est là et il veille sur nous. Pour terminer ce temps de célébration, j'avais envie de chanter avec vous un chant que j'ai beaucoup chanté dans mon enfance avec mes parents et mes grands-parents. Ce chant nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Dans les quatre évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, à plusieurs reprises, Jésus enseigne la foule depuis une barque sur un lac. Il se trouve alors en Galilée, sur le lac de Génézareth, qui est aussi appelé lac de Tibériade ou mer de Galilée. Il est appelé ainsi parce qu'il se situe tout près de la ville de Tibériade, qui est une ville importante en Galilée. Et la Galilée elle-même se trouve au nord de Jérusalem, à une centaine de kilomètres. C'est une région montagneuse,
du nord d'Israël. Ce lac de Tibériade, ce lac de Génézareth, est alimenté par le Jourdain et il est très riche en poissons. Dans les évangiles, on voit à plusieurs reprises des gens qui s'activent à pêcher. L'activité principale de cette région autour du lac, c'est la pêche et les hommes gagnent leur vie à cette activité. Jésus choisit donc ce lieu pour y enseigner parce que la foule est présente. La foule est là, il y a des hommes et des femmes ordinaires qui se pressent autour de cet endroit. Et ce sont ces hommes et ces femmes qui ont le plus besoin de lui. C'est pour cela qu'il vient à cet endroit. La barque sur le lac permet à Jésus de s'éloigner un peu de la foule qui est sur le rivage, qui se presse sur le rivage. C'est aussi un endroit où il va pouvoir s'adresser à ces personnes. Il s'éloigne du rivage sur la barque pour ensuite enseigner. Et il semble que l'acoustique soit très favorable à quelqu'un qui se tient dans une barque sur un lac et qui s'adresse aux personnes sur le rivage. Alors je vous propose de lire maintenant un de ces textes qui nous parle de Jésus qui enseigne sur le lac. On sera dans l'évangile de Luc au chapitre 5 et je lirai les versets 1 à 11. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut deux barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon « Avance vers le large, en eau profonde. Puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. »« Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. » Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'on remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Je voudrais commencer par parler de l'évangile de Luc, où se trouve ce texte. L'évangile de Luc est un des quatre évangiles, comme je l'ai dit, donc il se situe dans le Nouveau Testament, à la fin de la Bible. Et le Nouveau Testament nous raconte l'histoire de Jésus. Qui est Jésus? Pourquoi il est venu sur cette terre? Quel a été son ministère? Et puis, lorsque Jésus va partir, il envoie le Saint-Esprit et on verra dans le Nouveau Testament aussi la naissance de l'Église. Les évangiles, c'est vraiment l'histoire de la vie de Jésus et sa crucifixion, sa résurrection. C'est par ces événements que Dieu instaure une nouvelle alliance. Le Nouveau Testament, c'est une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Une alliance qui fait que Jésus nous réconcilie avec Dieu, son Père, et il nous permet de nous adresser à Dieu, d'être en communion et en communication avec Dieu. Dans ces quatre évangiles, Jésus est présenté comme le Messie. Les évangiles tirent leur nom des quatre hommes qui les ont écrits. J'ai parlé donc de Matthieu, Marc, Luc et Jean, et chacun va apporter son témoignage et raconter pourquoi Jésus est le Sauveur. Ce sont bien des écrits inspirés par Dieu, mais ce sont des auteurs humains qui racontent cette vie de Jésus, qui témoignent de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils savent de Jésus. C'est ce qui donne à chaque évangile un ton particulier, une
la sensibilité et le style de chaque auteur va être perceptible dans les différents évangiles. Parce que chacun des auteurs écrit aussi avec son cœur et son intelligence. Ainsi, on considère souvent que dans l'évangile de Matthieu, Jésus vient d'abord à la rencontre des Juifs et qu'il est le roi. Il est présenté comme le roi, le Messie. Dans l'évangile de Marc, Jésus rencontre un monde dans le besoin et il est le serviteur. Dans l'évangile de Jean, Jésus rencontre l'Église, la famille céleste, il est le Fils de Dieu. Et dans l'évangile de Luc, Jésus rencontre des hommes et des femmes. Il est le Fils de l'homme. Il y a donc beaucoup d'humanité, beaucoup de compassion dans l'évangile de Luc. Le Seigneur est présenté comme un homme sans péché, un homme qui est le Fils de Dieu et qui accomplit la volonté de Dieu en s'approchant d'autres hommes et de femmes qu'il rencontre, en les écoutant, en étant à leur écoute et en s'adressant aussi à eux. C'est ce qu'on voit dans le passage qu'on a lu, Luc 5, où Jésus vient à la rencontre de Pierre en toute simplicité. Il s'adresse à Pierre, il s'adresse aussi à son frère André, à ses amis ou associés. Il s'adresse à Pierre alors qu'il est en train de travailler, de s'occuper de ce qui lui permettra de gagner sa vie, tout simplement. Cela veut dire que lorsque Pierre rencontre le Seigneur, il est dans son quotidien, un quotidien très ordinaire. Il n'est pas à la synagogue, il n'est pas en train de prier, il n'est pas en train de crier vers Dieu. Je dirais même que, vu la situation, il n'est sans doute pas très disposé à ce type de rencontre. Et pourtant, c'est là que Jésus vient appeler Pierre, vient le rencontrer. Le Seigneur touche Pierre précisément là où il en est, là où il se trouve. Et à ce moment-là, Pierre, il est plutôt tout en bas. Ce texte nous parle donc d'une rencontre, entre deux personnes, entre Jésus et Pierre. Jésus, à ce moment-là, il est sous pression, il est pressé par la foule qui est attirée par ce qu'elle a entendu dire de lui. On le voit dès le chapitre 4, dans Luc chapitre 4, Jésus a libéré un homme qui vivait sous l'emprise d'un esprit démoniaque. Il a guéri la belle-mère de Pierre, qu'il connaissait déjà. Il guérit beaucoup d'autres malades. Et cela attire énormément de personnes qui voudraient probablement être guéries, elles aussi, ou voir certains de leurs proches être guéris. À ce moment-là, Jésus est en Galilée, c'est-à-dire qu'il est à proximité de l'endroit où il est né. Il est dans sa terre natale. On imagine que ça attise encore plus de curiosité. Pendant ce temps qu'il passe en Galilée, et même à Nazareth, son lieu de naissance, la foule le reconnaît. Et on voit dans certains passages l'étonnement, parfois même l'incrédulité de ces gens qui le reconnaissent. C'est le fils de Joseph, le fils du charpentier. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est vrai ce qu'il a fait ? Voilà, beaucoup d'étonnement et de questionnement. Et Jésus sait très bien cela. Et aujourd'hui, on a cette expression de dire que nul n'est prophète en son pays. Et c'est à l'image de ce que Jésus a connu en Galilée. Ça aurait pu être un endroit où l'œuvre de Jésus était facilitée, en quelque sorte. Les pharisiens étaient beaucoup moins présents, ils avaient moins d'emprise et leur critique était moins forte, ou aurait pu être moins forte qu'à Jérusalem. Mais finalement, les gens ordinaires qui connaissaient un peu Jésus ne lui offraient pas un accueil beaucoup plus favorable. La Galilée n'était finalement pas un lieu de réconfort ni un havre de paix pour Jésus. C'est une mise à l'épreuve de plus, un peu comme on le voit à quelques passages plus tôt, un peu plus tôt, lorsque Jésus erre dans le désert. On est encore dans un autre endroit, encore à l'écart de Jérusalem, et ça reste un endroit difficile pour Jésus. Donc le ministère de Jésus en Galilée montre encore une fois le manque de foi
des personnes qui sont autour de Jésus, qui s'approchent de lui. Et on peut noter la grande différence qu'il y a entre certaines rencontres que Jésus va faire dans ces endroits, en Galilée, à Jérusalem, et la rencontre, par exemple, avec la femme samaritaine, qui est hors du peuple d'Israël, qui ne fait pas partie de la famille de Dieu de façon traditionnelle, comme on l'a dans l'Ancien Testament, et qui pourtant se laissera toucher par Jésus. Donc la vie de l'époque, ce qu'on voit dans les évangiles, c'est un tas de paradoxes, c'est une vie de contraste avec certains qui vont parler haut et fort et se moquer de Jésus, et puis une foule immense qui le suit. Et malgré les critiques, malgré les rires et les moqueries, Jésus continue de changer des vies. Et face à Jésus, eh bien, il y a Pierre. Pierre, lui, a travaillé toute la nuit. Alors, on imagine qu'à ce moment-là, il voudrait surtout aller dormir. Il est en train de nettoyer ses filets, après avoir passé des heures à pêcher sans rien attraper. Il n'a pas vraiment envie de recommencer, de repartir. Non seulement il est épuisé, mais en plus ça n'a servi à rien, puisqu'il rentre les mains vides. Et on imagine toutes les questions qu'il se pose à ce moment-là. Comment va-t-il nourrir sa famille? Comment va-t-il s'en sortir? Où trouvera-t-il d'argent? Il n'a pas de poisson à vendre. Qu'est-ce qui va se passer? Ses pensées sont sans doute bien terre à terre et on l'imagine absolument découragé. La pêche miraculeuse, la pêche extraordinaire qui se produit ensuite ne va en fait que le chambouler encore un petit peu plus. Il a réussi à prendre sur lui, comme on dit, lorsque Jésus lui demande de retourner pêcher, de salir à nouveau ses filets, de les jeter dans l'eau. Mais là, après la pêche miraculeuse, vraiment c'en est trop. Et voilà ce qu'il répond au verset 8 et 9. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Cette histoire d'une rencontre est en fait l'histoire d'une transformation. La rencontre à laquelle nous assistons est bouleversante. Elle est bouleversante surtout pour Pierre, qui, soudain, n'arrive plus à suivre. Son esprit ne suit plus, il ne comprend pas, et il a tellement du mal à comprendre qu'il est effrayé, il a peur. Alors, de quoi est-ce qu'il a peur? De ne plus être dans le besoin, puisque soudainement, sa pêche inutile devient une pêche miraculeuse? Est-ce qu'il aurait peur de trop d'abondance, de trop de richesses? Non. Il ne pense ni à ses problèmes financiers, ni à sa fatigue. Il voit seulement la grandeur et la puissance de Dieu. Il ressent tout l'amour que Jésus déverse sur lui à ce moment-là. Il ressent le miracle qui est en train de se produire dans sa vie. Il sent combien lui, Pierre, est précieux pour son Créateur et il n'arrive pas à accepter ce don immense qui le dépasse, encore une fois. Il sait qu'il ne mérite pas ce don. Il est un homme pécheur, comme il le dit au verset 8. En fait, Pierre est mis à nu par le regard de Jésus et par l'action de Jésus qu'il aime, tel qu'il est, en toute simplicité. Tous ont peur, non seulement Pierre, mais aussi ses compagnons. Et parce que Jésus agit par amour, il ne laisse pas cette peur grandir, prendre toute la place. Il accomplit ses actions parce que Dieu est tout-puissant et parce qu'il est le Fils de Dieu, mais très vite il rassure Pierre, il rassure ses amis parce qu'il est le Seigneur de grâce. Et au lieu de s'éloigner, comme Pierre le lui demande, il se rapproche encore un peu plus, il rassure Pierre, il insiste. Il lui dit « N'aie pas peur, n'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Non seulement il se rapproche, mais il lui donne une mission. Et il lui dit que ça va continuer. Cette transformation, elle se produit sous nos yeux. Et on voit Pierre, un homme plutôt craintif, en tout cas honteux, qui se sentait pêcheur,
comme il le dit au verset 8, on voit Pierre qui, peu à peu, va tout abandonner, ou peu à peu, soudainement, tout abandonner pour suivre Jésus. On le voit changer du doute, du rejet même de Jésus, à l'acceptation et à la foi. Celui qui s'appelle Simon, on le voit dès Luc au chapitre 4, Simon va devenir Simon-Pierre au verset 8. Et un peu plus loin, au chapitre 6 de l'évangile de Luc, Jésus appelle Simon Pierre, en le choisissant comme apôtre. Pierre passe donc de la honte à la foi, de l'épuisement et du découragement à la volonté de suivre Jésus partout et tout de suite. Il devient un serviteur heureux, capable de tout quitter pour suivre Jésus, sans regret, sans inquiétude, sans se retourner. Alors, il n'est absolument pas assuré d'une vie paisible, d'une vie plus confortable que celle qu'il menait en tant que pêcheur de poissons. Il ira désormais pêcher des hommes. Ça veut dire qu'il permettra à des hommes tels que lui de rencontrer Jésus à leur tour. Mais désormais, il sait, il a l'assurance de la présence de Jésus, de la puissance et de l'amour de Dieu. Alors la question qu'on peut poser, c'est qu'en est-il de nous aujourd'hui? Ce que Pierre expérimente est à l'image de la vie du chrétien. Ce n'est pas plus facile une fois qu'on a fait cette rencontre avec Jésus, mais dans cette réalité difficile, il y a de la place pour les miracles. Comme cette pêche extraordinaire qui permet à Dieu de multiplier les ressources. Dieu multiplie nos ressources, nos forces, si on se confie en lui. Ce qui importe, c'est de laisser la place au Seigneur dans les situations de découragement, dans nos moments de découragement, de doute, de honte. Alors, est-ce qu'on le laisse s'approcher de nous et nous parler? Est-ce qu'on sait être à l'écoute de sa parole lorsque nous touchons le fond, comme c'était le cas de Pierre à ce moment-là? Pierre qui a commencé par écouter. Il n'était pas très disposé à écouter. On a vu, il avait sans doute envie de rentrer chez lui et d'aller se reposer. Mais il a quand même écouté Jésus. Et il est allé là où Jésus lui demandait d'aller. Il a pris la barque, il a jeté les filets en eau profonde. Il a obéi à ce que Jésus lui demandait de faire et il a pu entendre la parole de Jésus. Il a entendu cette demande qui l'a obligé à sortir de son ordinaire, de sa routine, de ce qu'il aurait fait s'il avait écouté son bon sens. Alors il a utilisé son savoir-faire, son expérience professionnelle en tant que pêcheur, mais il a accepté aussi de ne pas faire ce que cette expérience lui dictait. Cela signifie qu'à un moment donné, Pierre en vient à lâcher prise. Il accepte de ne pas tout comprendre, de ne pas être aux commandes de sa propre vie, de ne pas tout diriger. Et il accepte d'être entraîné, d'être bousculé. C'est cette humilité, c'est cette disponibilité de Pierre qui l'amène à comprendre que Jésus est plus grand, plus juste, plus sage, que Jésus le connaît mieux que lui-même. Jésus touche Pierre dans sa réalité, dans son travail. La barque, c'est son outil de travail. Le lac, c'est son lieu de travail. Mais cette barque et ce lac deviennent le lieu du témoignage. C'est là que Jésus touche Pierre. Il touche André, son frère. Il touche Jacques et Jean, les associés, les amis de Pierre. Il touche la foule depuis cette barque. Pierre, à son tour, deviendra témoin. Il sera l'un des douze, l'un des apôtres. Il sera un des disciples les plus proches, les plus intimes de Jésus. Et c'est lui qui fondera l'Église. Cette transformation est possible parce que Pierre accepte d'aller au-delà de ce qui semble raisonnable, au-delà de ce que lui considérait comme étant raisonnable. Il jette ses filets en eau profonde, malgré l'échec qui a précédé, et il laisse le regard et les mots de Jésus révéler ce qui est profond en lui, ce qu'il y a de plus profond en lui. Ce lâcher prise,
cette confiance placée en quelqu'un d'autre que soi-même, ça peut sembler terrifiant. Sauf que ce quelqu'un d'autre, c'est Jésus, le Seigneur qui, dans sa grâce, nous rassure. Il nous dit « N'aie pas peur, n'aie pas peur ». Si nous faisons confiance au Seigneur, si nous le laissons nous aimer, alors nous pourrons accueillir avec reconnaissance ce que certains appellent l'extraordinaire de Dieu, l'inattendu de Dieu dans l'ordinaire de nos vies. Je vous remercie pour ce temps passé ensemble. Que le Seigneur vous accompagne, nous accompagne pendant les jours qui viennent. Au revoir.